Dimanche passé, je vous avais fait une promesse. I made a promise last Sunday to you all. Et je vous ai dit, je vous dirai quelque chose avant mon départ. And I told you that I was going to tell you about something before I leave. Je voudrais que vous puissiez acclamer le Seigneur pour la vie de ce serviteur de Dieu et de son mari. I want you to put it together, put your hands together for this man of God. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ils sont le couple. They are the couple. Par lequel le Seigneur est passé. Through whom the Lord went. Pour que je sois formé comme pasteur. For me to receive the training as a minister. Alléluia. Lorsque j'avais reçu l'appel pour l'Institut biblique. When I received the call to go to Bible school. Le Seigneur a permis que je passe leur rencontre. The Lord allowed the encounter with them. Et entre-temps, Meanwhile, je venais d'une église naissante en pionnier. I was with a church that's a new church. Cette église a bien signé mes papiers pour ma formation. And that church signed the paperwork that I needed to go to school. Elle n'avait pas suffisamment de ressources pour payer ma formation. But they did not have enough resources in order to pay for my studies. Mais Madame et Monsieur Kamasi, Mr. and Mrs. Kamasi, ont payé ma scolarité pour les 3 ans de formation. They paid for my school for 3 years that it will take for my training. J'ai donné ce témoignage dans mon église le mois passé. Last month I shared this testimony with my church. Que chaque fois que je prêche l'évangile, every time that I preach the gospel, chaque fois que je rends ministère. Every time that I minister, et que je vois le fruit de ce ministère, and I see the fruits of that ministry, je vois ce couple derrière moi. I see that couple behind me, en train de me soutenir, supporting, sustaining me. Et je dis toujours, and I always say, que toutes les bénédictions qui découlent de mon ministère leur seront en partage au nom de Jésus. And every blessing that is deriving from my ministry will be their share. À l'Institut biblique. After I finish my training at Bible le Seigneur m'a permis de travailler dans les plantations de Togo. And the Lord allowed me to work in the planting of churches in Togo. Et par la grâce de Dieu, by the grace of God, mon épouse et moi avons implanté l'église au Togo avant de partir en terre de mission. My wife and I were able to plant 9 churches in Togo before we went on mission abroad. Et en terre de mission, nous venons de faire notre 3e implantation. On the mission field, we have planted the 3rd church in Canada. Et tout ceci parce qu'il y a eu un couple qui a accepté de financer pour ma formation. All of this because a couple decided to support the cost of my training. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Je voudrais rendre grâce à Dieu ce soir. I would like to bless God tonight. Et bénir pour la disposition de cœur de ce couple. Bless him for the heart of this servant that is available. Vous avez un couple pastoral. You have a pastoral couple qui est missionnaire ici aux États-Unis. They are missionaries here in the United States. Et je vous encourage. And I encourage à vous associer à leur vision. To associate with their vision. Et vous verrez ce que le Seigneur va faire. And you'll see what the Lord will do. L'Éternel Dieu va glorifier son nom dans votre vie. The Lord God will glorify His name in your life. Vous serez surpris de ce que Dieu va accomplir dans la chapelle internationale. And you'll see, you'll be surprised what the Lord will do in an international chapel. Que son nom soit glorifié. May His name be glorified. Alléluia.